Alexandra, c'est le retour des orages aujourd'hui. Eh oui, encore des orages, Chana, avec un conflit de masse d'air et des conditions météo assez mitigées sur les régions du Nord. Alors regardez, du côté de Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime, le temps est légèrement laiteux, légèrement voilé, mais ça va se gâter dans le courant de la journée avec le retour d'un temps très instable et très variable. D'ailleurs, on a actuellement quelques orages pour le département de la Charente-Maritime au moment où je vous parle. Un temps instable également en remontant vers la Normandie ou encore la pointe du Cotentin, temps très pluvieux en Bretagne avec localement plus de 40 mm de précipitations entre hier et aujourd'hui. Donc, situation à surveiller avec beaucoup d'eau en Bretagne, partout ailleurs de bonnes conditions. Le soleil qui est bel et bien au rendez-vous, vous le voyez, autour du golfe du Lion ou encore en allant vers les régions de l'Est. Dans l'après-midi, attention, les orages vont se décaler sur les régions centrales. Vraiment, attention, ces orages pourraient être localement assez violents et accompagnés de grêles. Vous voyez, entre le nord du massif central, le sud du bassin parisien ou encore les régions du nord, orages localement violents, donc accompagnés de grêles, je vous le disais. On retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies en Bretagne et toujours un temps très lumineux autour du golfe du Lion, sur le Lyonnais ou encore en allant vers le nord-est. Côté température, elles vont s'envoler aujourd'hui. Déjà de la grande douceur ce matin avec 18 degrés à Paris ou encore 22 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Température extrêmement élevée, notamment du côté de Reims avec 35 degrés. Vous aurez 34 degrés du côté de Nancy et localement 33-34 degrés entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Tandis que vous aurez seulement 19 degrés pour la pointe bretonne.